Où se trouve la phase dans mes prises électriques? L'orientation de la phase dans les installations domestiques est un sujet qui peut paraître de détail, mais qui a son importance pour la sécurité et le bon fonctionnement des équipements électriques. Pourquoi l'orientation de la phase est-elle importante? Sécurité. Une orientation cohérente aide à éviter les erreurs de câblage, qui pourraient entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements des appareils. Maintenance et dépannage. Une orientation uniforme simplifie la tâche des électriciens lors des interventions, permettant une identification rapide et sûre des conducteurs. Réglementation. Bien que la norme NFC 1500 n'impose pas de règles strictes sur l'orientation de la phase, il est recommandé d'utiliser du matériel de qualité et conforme aux normes en vigueur pour garantir la sécurité de l'installation électrique. En effet, la plupart des fabricants proposant des prises électriques en France observent la même règle. Sur le mécanisme de branchement, la phase se trouve à gauche et le neutre à droite. De ce fait, lorsqu'on est face à la prise installée, la phase se trouve toujours à droite et le neutre à gauche. Vérification. Généralement, l'inversion de position de la phase dans les prises électriques n'a pas de conséquences majeures sur la plupart des appareils électroménagers. Ils fonctionneront normalement, sauf ceux qui embarquent de l'électronique. Dans ce cas, cela peut causer un problème. Certains appareils peuvent se mettre en défaut et être endommagés. Il est préférable donc d'avoir des prises correctement branchées. En cas de doute, il est facile de vérifier sans démonter la prise. Grâce à un testeur de tension sans contact de ce type. Vous trouverez sur le blog bâtir-sa-maison.net cet article écrit et illustré, avec tous les liens concernant le matériel. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.